toutes, si vous êtes là, c'est que vous êtes d'accord avec moi et que vous ne voulez plus gaspiller. Et moi, je vous dis, vous avez raison et je vous dis bravo. Suivez-moi. Pour ces petites serviettes spéciales bébé, très facile. La réalisation est simple, aucune couture visible, ni à l'endroit, ni à l'envers. À part, bien sûr, la surpiqûre qui va venir pour finaliser votre ouvrage. Pour ce projet, vous pouvez le faire en utilisant vos vieilles serviettes, des chutes si vous en avez, ou des chutes de bambou, et un tissu imprimé 100% coton. Pour ma part, je vais faire les deux. Je vais en réaliser dans ce tissu et aussi dans des chutes qui me restent. Coupez des rectangles dans du tissu éponge 20 cm sur 30. Vous faites la même chose pour le tissu et les deux d'une quantité égale. Bien sûr, rien ne vous empêche de faire des serviettes plus grandes ou plus petites. Le procédé sera le même. Placez la serviette éponge et mettez endroit sur endroit. Épinglez autour, piquez un bon point d'arrêt, faites le tour et finalisez par un autre point d'arrêt et laissez une ouverture à peu près de 4 doigts. Piquez la valeur du pied presseur et piquez en mettant l'éponge côté griffe. Toujours mettre l'aiguille en bas, bien la planter au fond avant de retourner. Levez le pied presseur et retournez votre pièce et continuez votre piqûre. Dégagez les angles. Remettez votre pièce sur l'endroit grâce à votre baguette ou autre. Ressortez bien les angles. Un conseil pour ressortir les angles, n'utilisez jamais vos ciseaux. Épinglez la partie ouverte et faites une piqûre nervure tout autour de la pièce. N'oubliez pas les points d'arrêt. Et toujours la même chose. Arrivez à l'angle, plantez bien votre aiguille en bas, soulevez le pied presseur et retournez la pièce. Et continuez la surpiqûre. Vous allez avoir ce résultat, une très belle finition devant et derrière. Et vous n'aurez plus qu'à faire le reste de votre pile en procédant de la même façon. Et voilà, des serviettes faciles, sympas, rapides à faire pour les petites fesses du bébé que vous pouvez offrir et les présenter dans ces sacs de rangement. Et profitez par la même occasion en utilisant les chutes de tissu. Pour réaliser ces petites lingettes démaquillantes, les mesures sont de 12 sur 12 et le procédé est exactement le même. Quant à ces petits sacs de rangement, vous trouverez le lien avec les mesures et le procédé à la fin de cette vidéo. Et vous avez vu, c'était facile, rapide et avec trois fois rien. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas un petit like, un commentaire. Et surtout, abonnez-vous!